Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Déjà, je suis désolé si on voit pas ma tête en fond et si je vais me mettre à parler doucement, à chuchoter. C'est parce que c'était pas vraiment une vidéo prévue. Enfin, si, j'avais prévu, mais j'avais pas prévu les conditions dans lesquelles je la ferais. C'est pour fêter les, enfin, fêter entre guillemets, de pouvoir dépasser les plus de 15 minutes. Alors, je me suis dit qu'on allait faire la dernière map zombie qui est sortie avec le pack First Strike. Que je n'ai jamais encore essayé, juste le premier niveau parce que j'avais montré à Asdingue lorsqu'il était venu chez moi, pour ceux que ça intéresse, même si je sais que ça intéresse peu de personnes, on avait juste essayé le premier niveau, voir à quoi ça ressemblait, et je voulais en fait le faire un jour en vidéo. Et attendez déjà, non, si je commence déjà à aller dans le mauvais menu, non, c'est menu zombie, excusez-moi, je suis distrait, voilà, non. À la base, là, j'aurais pas eu le temps normalement de faire cette vidéo-là, mais donc c'est pour ça que je chuchote et tout ça, et qu'il n'y a pas le matériel de brancher. Mais vu que je voulais quand même expliquer 2-3 petites choses, vu que là, il va y avoir. Ok, sympa le menu. Voilà, zombie, excusez-moi. Xbox Live, on va faire Xbox Live, c'est quand même mieux. Et on va faire, bah oui, zombie. Et c'est, voilà, ascension. Avec la fusée qui ressemble à la map Launch. Même si je sais pas si c'est un rapport ou pas, vu qu'à chaque fois il y a énormément de mystères, que ça soit sur Call of Duty 5 avec les maps zombies. Et maintenant il doit y avoir énormément de mystères à découvrir. C'est ça qui était sympa, c'est qu'il y avait une sorte de petite histoire, je me rappelle par rapport au 5, les schémas sur le mur et tous les trucs dans cet esprit-là. Et j'espère que déjà on aura une bonne connexion, ça serait pas mal. Et ça se trouve, j'arriverai même pas à dépasser les 15 minutes. Pas de vidéo, mais ça se trouve, on n'arrivera même pas à une manche suffisante pour dépasser les 15 minutes, j'en sais rien. J'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé en plus. Par contre, là, je sais pas si je vais trouver une partie parce que j'aurais bien voulu faire ça en ligne. Ça aurait été plus sympa que de faire ça en solo. Parce que je connais pas du tout la map, hein. J'ai juste vu que le début c'était en noir et blanc. Bon, ça intéressera pas forcément tout le monde vu que certains doivent connaître déjà bien la map. D'ailleurs, ça serait sympa comme ça, vous pourrez m'expliquer un petit peu les subtilités et les trucs cachés de la map. Donc, on va se mettre prêt. Ah, voilà, 4 personnes. Je crois que c'est moi l'autre, donc ça devrait aller vu que j'ai une connexion correcte. Comme ça, je mettrai vraiment les balles dans la tête. Par contre, attendez, faut que je m'installe bien là. Parce que là, je suis installé bizarrement. Bon, c'est bon, on y est prêt. Let's go. Et je sais plus. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire. Là, je remercie aussi les personnes qui me proposaient par rapport à Black Ops. Attendez, je vais retrouver mes mots. Black Ops. Attendez. À Black Ops. L'édition collector, voilà, il y a les maps de Call of Duty 5 et certaines personnes m'ont proposé de me les passer. C'est vraiment gentil, mais gardez-les pour vous. Vous amuserez à ma place en pensant à moi dessus. Voilà, c'est sympa de penser toujours. À me faire plaisir, mais jouer dessus, ça me fera d'autant plus plaisir si vous y jouez et vous amusez dessus. Voilà. Ah, voilà la petite fusée. Normalement, oui, là c'est bon, je peux bouger. Et on voit mes autres copains. Ça se trouve, c'est des gens de ma liste d'amis. J'ai pas fait attention. Attendez, je vais augmenter le son. Ah, je sais plus c'est lequel qui parle, mais à chaque fois c'était trop fort. Ah, moi, c'est trop fort maintenant. Les voix sont si méchantes d'habitude. Les voix sont si méchantes d'habitude. Mais qui c'est qui a coupé le courant? Pourquoi c'est en noir et blanc? Ça m'avait vraiment fait rire la dernière fois. Avec nos petits nounours juste là. Et ça, c'est une batterie. Par contre, je vais quand même essayer de tuer 2-3 personnes. Parce que si je tue personne, je n'aurai point d'argent. Et point d'argent signifie que. Nya! Signifie que. Nya! Et signifie que. Nya! Nya! Voilà, excusez-moi. Non, il faut vraiment avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter des armes. Là, je dis ça comme si personne connaissait. Mais pour que je puisse m'acheter des armes et acheter les atouts pour rester en vie plus longtemps. Comme le recharge rapide, double tir, réanimation rapide de nos amis là. Et j'ai appris également que pendant le solo, ça nous permet de nous réanimer, c'est plutôt pas mal. Et le mastodonte pour avoir plus de vie. Oula, c'est quoi ce bruit? Oula! Je sais pas si je peux me le prendre dans la tête, ça. Par contre, ça craint. Là, normalement, c'est 2 coups, voilà, pour être tué. Mais d'habitude, ce que je fais, c'est j'attends qu'il casse quand même quelques portes pour pouvoir réparer et me faire de l'argent. Ça doit être un truc quand ça tourne, ça doit tuer les zombies. Ça doit être un truc à activer, peut-être. Ah, bombe. Alors, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? Coco. Non, pas le fusil à pompe. Oh oui, je suis désolé dans l'état dans lequel sera la vidéo finale.
Ok, là ça sera acheté 750. Pour l'instant, j'ai encore toutes mes balles. Youpi! J'ai encore toutes mes balles. Oui, c'est une petite vidéo comme ça. Pour le week-end. Normalement, là c'est 3 coups maintenant. Voilà. Ils sont avec des masques aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Enfin, comme par hasard, lui il en a pas. Mais certains ont des masques à oxygène. Faut que je fasse attention quand même parce que je sais pas avec qui je joue. Je sais pas s'ils vont venir me sauver si je meurs. Là, je répare et ça me fait de l'argent. Regardez, il a un masque un petit peu à la Métro 2033 ou. Ça te dira pas d'aller tuer les tiens, toi? Non, tu veux tuer les miens? Bon, bah amuse-toi, fais-toi plaisir. Tu mets zombie si ça te plaît. Donc, oui, c'est cette vidéo-là en attendant de. Parce qu'après, comme je l'avais dit, je vais reposter pas mal d'anciennes vidéos. Donc, ça prendra sûrement une petite dizaine de jours. Mais ça fait peur quand même, ça, à chaque fois. Une petite dizaine de jours. Et donc, c'est pour ça que je la mettrai celle-là pour le week-end. Et à partir de lundi, je reposterai les anciennes. Et les vidéos reprendront les nouvelles à partir de la vidéo défi numéro 3 sur Call of Duty Black Ops. Voilà. Comme ça, par rapport au sondage que j'avais fait sur le profil, et bah, j'ai retenu à peu près 3 idées, je crois. Et dans une seule vidéo, et bah, je vais essayer de répondre, enfin de faire 3 défis dans une seule vidéo. Et ça sera à partir de la troisième, en fait, de la vidéo défi numéro 3 que les vidéos reprendront normalement. Et juste avant, ça sera que des vidéos que j'avais fait avant que je reposterai. Donc je crois qu'il y en a à peu près 55, un truc dans ce style-là. Voilà, je voulais juste souligner ça. Je sais que j'avais beaucoup de choses à dire, mais vu que là, je l'ai fait un petit peu. Pas de la façon dont je voulais la vidéo. Là, pour l'instant, je me fais un max de sous pour plus tard. Parce que même lorsque je meurs, par exemple, si je réapparais après que j'ai perdu toutes mes armes, mes atouts, et bah j'aurai un petit peu d'argent pour. Ça fait peur encore, mais j'arrête pas de le lire. J'aurai un petit peu d'argent pour revenir à la vie. J'ai quoi comme connexion? Ça va normalement. Bon, on va peut-être les rejoindre. Par contre, il faudrait vraiment que j'achète des armes parce que là, si c'est les chiens, je vais pas faire long feu. Imaginez, c'est les chiens et je suis au couteau. Est-ce qu'ils ont ouvert une porte? Non? Non, personne? Mais ils sont où? Ils sont où? Ils sont où, mes amis? Comment ils ont fait pour aller là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez, parce que là, je suis perdu. Pourquoi je suis tout seul? Attendez, je vais avoir peur, là. Ça, c'est la petite mitraillette à activer. Mais c'est moi où je suis? Où ils m'ont laissé tout seul? Ils sont partis comment là-bas? Il n'y a pas d'armes en plus là. Nom de Dieu, il n'y a aucune arme que je puisse acheter? C'est une blague. Non, moi je veux pas acheter ça. Il y a forcément des trucs, je suis passé à côté, j'ai pas vu. Bah attendez, normalement il y a des armes sur les murs. Oh punaise. Oh punaise. Ah, ils ont mis la couleur. L'électricité plutôt. On va lancer ça. Oh punaise. Mais ils se foutent de moi ou quoi? Comment ils ont fait pour aller là-bas? Oh nom de Dieu. Parce qu'il y a forcément un chemin. Non, c'est pas par là. Elle est où la porte? Elle est où la porte? Oh, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Je vais acheter le fusil à pompe même si je voulais pas. J'ai pas le choix. Oh, je vais sauter mais je vais mourir. Allez! Mais comment ça se fait? Nom de Dieu! Mais aussi s'il m'avait pas laissé tout seul. Ah mais elle était là la porte. Bon, on va essayer de les rejoindre. Bon, c'est pas grave, de toute manière j'ai rien acheté. C'est le début de la partie. En espérant qu'ils viennent me sauver. Ah c'est bien. Il est sympa, on va l'aider. Merci, je suis vraiment désolé d'être un gros noob. Ne m'en veuillez pas, je découvre la map. Même s'ils m'entendent pas, ah voilà. Non, pas ça! Bon, c'est déjà mieux que rien. Alors ok, niveau ici. Donc la porte que j'ai ouverte tout à l'heure. Oh, j'ai pas assez de sous. Ok, bon bah on va aller en haut, on va les suivre. Hein. Je sais pas ce qu'ils font là-haut. J'analyse le terrain. Oh punaise! Hein? C'est moi, il a fait une roulade! Attendez, j'ai pas rêvé, non? Il a fait une roulade! Eh, mais il y a combien d'étages ici? Punaise, je vais être complètement perdu, je vais faire que de mourir. Faut que je me fasse 2 500 $ pour pouvoir acheter la mastodonte. Voilà, ça va me permettre
d'avoir double argent. Ok, ok, ok. Mais faut pas trop que je reste éloigné de mes amis, sinon je vais pas... Voilà, il y en a un qui a besoin d'aide. On va y aller, même si je pense pas que je sois le meilleur dans la position pour l'aider. Mais je vais faire mon possible. Allez, faut aider nos copains, toi. Oh, le scientifique fou. Je crois qu'ils ont été le sauver, normalement. Oui, c'est bon. Youpi ! Ah. Instant kill. Instant kill ! Et après, tout de suite, je vais aller m'acheter mon mastodonte. Ah bah oui, je suis bête. Et normalement... Et attendez, il était en bas, il était plus bas ou il était plus haut ? Ah, il était assez bon. Comment il a fait pour mourir alors qu'il y avait un instant kill ? Voilà. Je vais réparer ça. Ah oui, mais mince, en plus, je vais même pas le sauver. Il est où ? Il est assez à ce niveau-là. On arrive, petit. Petit padawan. Ouais, je trouve les autres atouts. Recharge rapide et tout ça. Oh non, c'est les chiens, ça. Je sais même pas... Je sais même pas s'il y a les chiens, en fait. Oh, c'est quoi, ça ? Il y a des trucs qui tombent du ciel, bizarrement. Ils sont où, mes collègues ? Ils sont où ? Que je reste pas tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce délire, nom de Dieu ? Je comprends pas tout ce qui se passe. C'est quoi, ces nains de jardin ? Attendez, attendez, parce que... Oh, punaise, il y a des petites crevettes. Il pourrait que je ramasse une arme, une mitrailleuse, non ? C'est quoi ces cris ? Mais lui, il a un pistolet laser déjà. On va rester avec lui. Ah, c'est des petits singes. C'est des petits singes. Ils sont tout mignons, les petits singes. Écoute, regardez ça. Je sais pas ce qu'ils font comme dégâts, mais... Enlève tes sales pattes de là, le singe. Oh, comme par hasard, j'achète et ça fait munitions max. Ah. Hop, on va retourner avec eux. Moi, j'ai pas grand chose à dire comme commentaire. Il y a des palettes de couleurs qui changent en fonction des vagues. Enfin, on avait déjà vu ça par exemple avec les chiens, avec le brouillard et tout ça. Comme les poupées russes. Par contre, j'aimerais bien aller autre part acheter des nouvelles armes. Mieux, genre une Thompson ou un truc dans ce style. En tout cas, elle est vraiment. Mais ah ouais, mais on était déjà allé là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a fait ? L'atterrisseur n'a pas été appelé. Qu'est-ce que c'est ? Oh là 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 là. Elle est immense, la carte. Là, il y a la boîte magique. Ah, elle est ici. Voilà, je vais pouvoir l'utiliser. Il me faudrait... C'est quoi, ça ? Un truc. Ça va chier des bulles, il utilise mon expression. Yeah ! Ah non, c'est pas à moi. Mais... Oh, ok, j'ai pas de sous, j'avais pas fait attention. Bon bah on va aller se faire un peu de sous. Ce qu'il me faudrait, c'est le rechargement rapide là, ça serait bien. Parce que sans rechargement rapide... Ah ouais, avec le pistolet laser, ça va tout de suite mieux pour le gars. Il a balancé une grenade bizarre. Ouais, faudrait que je lance quelques grenades aussi. On va lancer ça. Ah ah oh. Oh punaise, c'est ma grenade! Attendez, parce que là ma grenade. Oh punaise, non, je vais pas y arriver. Heureusement qu'il est là, vas-y, occupe-toi avec ton pistolet laser, moi je soigne notre copain. Voilà! Et là, boîte magique, normalement je peux l'avoir pour pas trop cher si j'ai bien suivi les vidéos. Donc allez, donnez-moi une arme. Je sais pas si c'est bien ça, on va recommencer vite. Je sais pas si c'est moi, non, c'est pas moi. Je sais pas si c'est moi. Non. Vite. Oh, trop tard, c'est pas grave. Il me faudrait le rechargement rapide, vous voyez. Bon, tout de même, vous me direz tout ça dans les commentaires. C'est juste pour vous faire une petite vidéo tranquillou pour ce week-end. Par contre, je vais pas m'éloigner de mes copains. Même si je dis ça depuis tout à l'heure et je m'éloigne au final. On va recharger. Non, c'est bon, ça s'est rechargé. Ouh! Yep là. Ouais, ils sont tous ici, mes amis. C'est pour une bonne raison, je pense. Donc on va rester là. Bah, défaut d'avoir
à défaut d'avoir la tour rechargement rapide ou un truc dans ce style-là, on va essayer d'avoir le nounours. Désolé les amis, c'était pas voulu. Ah, c'est un coup par coup, d'accord. Ah non, je dis des bêtises. Ah, il a la sulfateuse, il se fait plaisir le petit bonhomme. Je sais pas comment il l'a eu. Ah si, c'est un atout normalement qui tombe au sol et on peut le récupérer, je crois. Après, je peux me tromper, bien sûr. Bon, bah moi, le seul truc que je peux voir à faire, là, c'est ça. Réparer. J'avais l'impression d'être sur la tête, mais bon. En espérant ne pas être surpris. Ok. Voilà. Remplacement des petits chiens, c'est des petits singes. Ça, c'est bon à savoir, des petits singes. Faudrait laisser un dernier zombie comme ça. Ah punaise, la boîte magique. Ah bah non, elle n'est plus là-bas. Bon, je vais partir un peu tout seul, c'est un peu dangereux ce que je fais. Mais je voudrais trouver les autres atouts. Non, ici on avait vu, c'était le mastodonte. Quitte à trouver également la boîte magique, ça serait pas mal. Ah, la boîte magique. Oh, tant mieux, en plus avec les dollars, je vais pouvoir m'amuser. Ok, non, vite, vite. Ça se trouve, je peux recommencer. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Oh, c'est bon, je crois que j'ai eu le temps de le refaire une autre fois. Allez. Ah, je sais pas s'il est bien. Est-ce que je prends ça? Non, je vais pas prendre ça. Je sais pas si j'ai assez en plus. Je commence déjà à stresser. Ouais, j'aurais. Oh, par contre, je me rappelle plus le chemin pour les rejoindre. Allez, on y va quand même. En tout cas, ils ont l'air bien équipés, mes amis. C'est bien. Et on va pouvoir me protéger de flèches. Hop. Bon, ça, je suppose qu'il y a la lunette. Ok, c'est le G11, je crois. On va voir si je sais l'utiliser. Ok, ils s'amusent à faire des bons. Ils peuvent pas arriver par l'arrière. Ok, c'est ce que je pensais. C'est ce dont j'avais peur plutôt. Ah, ça c'est intéressant par contre. Et là, on va partir se promener un peu là-bas pour voir ce qu'il y a. Bon, j'ai ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ici, il n'y a rien. Mais c'est par là que j'étais arrivé, moi, tout à l'heure. Oui, c'est bien ça. Là, il n'y a pas d'atout. Il n'y a pas d'atout. Bon, bah, tant pis. Vous me le direz dans les commentaires à ce moment-là. Parce que j'ai dû passer devant. Oh, c'est quoi ça? Je vais peut-être pas m'approcher du truc. Ah, c'est le... Non, je sais pas ce que c'est. En tout cas, il y avait un truc. J'ai un peu de mal, pourtant j'ai l'impression quand même d'être... En fait, je joue avec cette arme-là en multijoueur, mais je mets pas la lunette. Et ça, c'est quoi ça? Utiliser alter... Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Mais apparemment, il l'active, ça doit servir forcément à quelque chose, mais à quoi? Oh non, oh non, oh non, 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 je vais pas mourir, pas mourir, pas mourir. Oh, c'est bon, je les ai eus. De justesse, nom de Dieu. Ah mince, j'ai reçu un message. Qu'est-ce qu'il sait qui m'écrit? Attendez, j'ai mon téléphone là qui fait des siennes. Qu'est-ce que c'est, nom de Dieu? Ah, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps de faire la vidéo en fait. Vous expliquerai un jour pourquoi. Non, je plaisante. Donc en attendant, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, pendant une dizaine de jours, je pense, si normalement j'arriverai sûrement à poster entre 5 et entre 5 et 6 Tu qui me touche, Pierre. Entre 5 et 6 par jour sûrement de vidéos, ce qui fait que si j'en poste 50, et eh ben on va dire en une dizaine de jours ça sera fait. Et après, bah, je vous reposterai des thèses, des délires, des découvertes, des Netto est-il un noob de temps en temps. Oh non, pas les petits singes. Ils sont où? Ils sont où, mes copains? Attendez, je veux pas être tout seul. Pas avec les petits singes, hein. Ils sont ici, d'accord. Il doit y avoir des trucs à faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire, là? Ah, il y a un étage, ok. Oh, oh punaise. Recommence pas, tu m'as fait peur. Oh, est-ce que je peux l'avoir en... Ah non, celle-là, ça doit être le coup par coup. Oh, nickel. Le speed cola. C'est ce qu'il me fallait, c'est ce que je cherchais.
Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? Ah, j'ai dû supprimer. Je suis désolé, la vidéo, enfin, elle était pas terrible sur Duty Calls, la parodie de Call of Duty. J'ai dû la supprimer parce qu'elle avait des droits d'auteur. Donc, c'était pas terrible, moyen. Ok, je sais pas ce qui nous attaque. Il se sert. Ok. J'ai pas compris à quoi. Ah! Apparemment, ils vont vers des trucs et ils les explosent, c'est ça? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce primate? Mais. Nom de Dieu! Je comprends pas ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est? Oh, ils volent les atouts, c'est ça, apparemment, vu ce qu'ils ont dit. Mais on peut pas les tuer. Et le nombre de balles qu'il leur faut pour les tuer, ces petits singes. Touche pas à mes atouts d'élimination. Mais en plus, je comprends pas ce qu'ils nous lancent. On dirait le truc à la Ghostbuster où vous avez les ennemis qui. Les fantômes qui sont absorbés dedans. Ok. C'est très étrange. Ok, ça c'est pour se suicider. Oui, aussi j'en ferai des spéciales zombies encore un peu plus travaillées. Avec Asdingue, bien sûr. Et je vais essayer d'avoir le Fredo. Ah, on est revenu ici. D'avoir le Fredo. Oh, punaise, j'ai foutu un gros coup dans le micro. J'espère qu'il est encore vivant. Avec le Fredo, et on s'entraînera sur les maps pour vous faire plein de vidéos comme il y a quelques années. Là, c'était juste comme ça pour marquer le coup et vous expliquer qu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos avant une dizaine de jours. Niveau de sécurité régularisé. Bon, bah. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on a commencé, ça doit faire plus de 20 minutes pour l'instant, ça pose. Je trouve pas ça trop compliqué encore. Juste un peu grande. Ok. Juste un peu grande la map. C'est quoi? Ah, oh, c'est quoi? Ah, c'est un machine gun! Attendez, parce que les grenades là, ça me fait peur. Les zombies font de piètres sushis, c'est ça qu'il a dit. Et imaginez, vous avez l'instant kill avec ça, quoique on s'en fout l'instant kill avec ça, vu qu'il suffit d'avoir le pistolet pour. Même pas le couteau. Par contre, je vais pas trop m'éloigner. Oh, l'instant kill, j'en parlais. Je vais pas trop m'éloigner parce que si la mitrailleuse elle disparaît et je me retrouve entre les zombies avec. Avec plus rien. Ah, ça va partir, ça va partir. Bon, c'est pas grave, heureusement que j'ai un stand kill. Mais j'ai pas la. Ah, c'est pas le rechargement rapide que j'ai là. Attendez, je sais pas. Je sais pas si c'est le rechargement rapide ou si c'est le double coup que j'ai pris. Ah, mais. Ils sont plus en bas à gauche, mais. Mes atouts. Donc les petits singes, mais. Ces petits singes tout pourris, mais ils ont piqué. Par contre, je les ai pas vus comment ils m'ont piqué. Ok, bon bah tout de même, je sais où c'est, maintenant je vais retourner l'acheter. Hein. Ok, j'arrive pas à tirer. Pardonnez-moi. Mais vu que je joue plus trop à Call of Duty maintenant, je joue plus à un autre jeu, mais je vous dirai pas lequel c'est pour pas vous spoiler de futures vidéos. Oh, tous les bouts de jambes et tout. Mais ah ouais, il fait sa roulade lui, il est bizarre. Désolé si je fais pas beaucoup de petits cris et tout ça comme d'habitude, mais je suis obligé de contenir ma joie. Lui, on va le laisser parce que ça serait bien que je puisse aller. Oh, je sais pas si c'est une bonne idée. Non, je sais pas si c'est une bonne idée d'y aller maintenant. On ira quand il y aura moins de zombies. Ah non, on fait le fou, on y va quand même. Il faut que j'aille là-haut rapidement. Rapidement, j'ai dit. Alors, je vais recharger en même temps. Ça serait bien que je trouve une meilleure arme. Oui, c'est bon, j'ai assez d'argent. Il y a quoi ici? Joli rototo. Le cola énergisant. Bah attendez. On va prendre. Non, des munitions, c'est bon, j'en ai. Maintenant, on n'a plus qu'à retourner vite avec eux. Non, là, sinon, je vais tomber. Ça risque de me faire bobo. Ah, mince, mon téléphone encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Normalement, il me reste encore un petit peu de temps. On va profiter.
Oh. Je suis tout seul là par contre. On est encore combien? Parce que là je vais pas m'en sortir si je suis tout seul. Donc le mieux c'est que je slalom, que je lance des petites grenades en arrière. Ils sont où? Ah, ils ont ouvert une porte là. Oup, cadeau. Cadeau. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? C'est quoi? Oh punaise, mais c'est quoi cette map de psychopathe? Ah mais ils sont... Oulalalalala. J'ai vu la petite AK. Donc, ah, d'accord, dans l'eau je peux pas courir vite. Et là je comprends pas ce qu'ils font avec les atterrisseurs ou je sais pas ce que c'est. Ouais, cette arme j'arriverai pas avec. Ah oui, munitions max, petite grenade à gogo. Ça va bien nous aider. Atterrisseur salvateur, ok. Je vais peut-être pas rester en dessous, je sais pas ce qui va se passer. Oh punaise. Ils sont où mes copains? Ok. Ok, pour l'instant, je comprends pas tout. Une autre arme, un petit pistolet laser, moyen. Oh, 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 il suffisait que je le dise. Tiens, un cadeau. Normalement, ça tue. Voilà. Ah, il faut 2 balles pour les tuer. Eh, mais le nounours, il apparaît de plus en plus souvent, on dirait. Bon, bah. Ça tremble la carte, mais je sais pas pour quelle raison. Ah, c'est là. Ah, on fait partir la fusée. Mais pour quelle raison fait-on partir? Faisons partir donc la fusée. Là est toute la question, vous voyez. Oh! Assis, assis, assis de la mort. Alors, où êtes-vous, mes petits monstres? Est-ce qu'il y a du corps qui bouge? Du ragdoll? Non, il n'y a pas de ragdoll. Donc là, comme ça me permet d'exploiter, de visiter la map, c'est quoi ça? Acheter énergie? C'est quoi l'énergie? On va acheter l'énergie après. Ok. Je crois que j'ai assez pour acheter l'énergie. Mais je sais pas à quoi ça sert. On va acheter vite, vite, vite. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je crois que je tue en un coup maintenant. Faites voir. Non, j'ai acheté de l'énergie. Peut-être pour courir plus longtemps. Ou ah non, ça, je cours plus vite. C'est peut-être qu'une impression. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui vient de se passer? Moi aussi je veux faire ça. Allez. Ça doit être un truc pour se téléporter d'un point A à un point B comme sur une map qu'il y avait dans Code 5. Après je peux me tromper. Après je peux bien sûr me tromper. Alors... Il doit rester un zombie de vivant. Oh mince, j'ai oublié, j'ai mon café. Il va être froid. Oh quelle andouille. Ça m'apprendra. Moi je vais utiliser la plateforme aussi. Je veux la plateforme. Il faut pas que je le tue, c'est ça apparemment. Ok, je comprends pas tout ce qu'il fait. Youpi! C'est la danse du zombie. Apparemment tout le monde tourne en rond aussi. Venez, il y a un zombie, on tourne en rond autour. Ça me donne mal à la tête par contre. On va voir si les gens on va essayer de l'apprivoiser et d'en faire un petit chien. Je crois qu'il ferme toutes les portes en fait là. D'accord, bon bah je vais faire pareil. Ça doit être pour garantir une sécurité supplémentaire. Ou pour se faire des sous tout simplement, j'en sais rien.
En même temps, je vais explorer s'il le laisse. J'allais dire vivant. S'il le laisse ramper plutôt. Hop! Il me faudrait juste un autre atout. Là, ah, c'est là qu'il y avait la fusée, ok. Qui a sûrement dû décoller, mais je ne l'ai pas vu. Ah! Je mets quoi là-dedans? Ouais, je mets quoi là-dedans? Je risque pas de pouvoir mettre quelque chose. Hein. Il manque un petit peu de sous, je crois. Alors, regardez le symbole en bas à gauche, ça représente un petit peu Sonic avec les jambes qui courent à toute allure. À toute allure plutôt. Ça, je le mettrai. Je crois que je vais rester dans ce coin-là. Bon, par contre, là, ça commence à me gonfler parce que ce petit zombie, voilà. Merci de l'avoir tué. Ouais, je vais rester là-bas. En plus, il y avait le dessin, je suis bête. Let's go. Une petite clé mort, là? Non, pas de petite clé mort. Hop. Eh ouais, il l'a eu avant, toi. Ah non, c'est là. Ils ont activé la sulfateuse, d'accord. Fallait peut-être attendre un petit peu, parce que pour l'instant... Oh. Ah oui, cette arme, je l'avais eu une fois. Elle est trop forte. Elle fait valdinguer les ennemis dans tous les sens. Regardez, on va attendre qu'il y ait un zombie qui arrive. Vas-y, tire là-bas. Non, on verra pas. Faudrait qu'il tire pour que vous puissiez voir comment il s'envole. Bon, c'est pas grave. On verra ça après. Je vais sécuriser le coin. Faut peut-être mieux que je garde mes munitions de pistolet laser pour après. Pour l'instant, on va utiliser ça. Oh punaise, ça risque d'arriver. Mais t'as plus de tête, nom de Dieu! Ah, mais ah, ça y est, ils deviennent plus résistants. Ils deviennent de plus en plus résistants. Combien j'ai d'argent? Encore un petit peu. Encore un petit peu, encore un petit peu. Oh, par contre, je crois qu'il y a des bruits bizarres derrière. Ouais, il y a encore la porte temporelle là. Oula. On va tirer. Hein. Je crois qu'il va. Non, c'est bon, il s'en est occupé. Je crois que j'ai pas à me soucier de lui. Il va très bien s'en sortir sans moi. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Créature sans âme. Par contre là, lui il est en difficulté. Le pistolet laser, l'arme qui était la plus redoutable dans... Dans Code 5. Punaise. Allez, on va l'améliorer. Ah non, je peux pas encore. Ah, j'hésite, je sais pas à quel j'améliore encore. Ouais, là par contre j'utilise toutes mes munitions, c'est pas intelligent. Oh punaise. On va l'aider parce que là le pauvre. Oh vite 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 vite. Vite 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 vite, donne-moi mon arme. Oh c'est bon, il y a la bombe nucléaire. Oh non. Attendez, j'ai pas remplacé mon pistolet laser, non j'ai eu peur. Ouais, ça a l'air pas mal. Plus avec le rechargement rapide. Par contre, pour récupérer les munitions, je sais pas si on, comment on fait, si je retourne vers le mur pour les récupérer. En même temps, vous me direz pourquoi je tire en coup par coup. Bonne question. C'est juste que j'ai l'habitude. Tiens, prends ça, le scientifique fou. Donne-moi ton arme, toi. J'aime bien ton arme. On échange? Ça serait marrant d'essayer de se faire tirer dessus quand même avec pour voir comment on vole. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire en attendant? On pourrait essayer d'améliorer le pistolet laser après. Ou alors, je vais peut-être quand même activer la tourelle, elle était bien utile. J'hésite. J'hésite, j'hésite, moi. On va attendre déjà ici, on va faire un mini rempart. Ouais.
J'ai un peu de mal à viger. Je vais attendre et je vais activer la petite tourelle. À moins qu'il me laisse tout seul ici. Je sais pas où je vais. Pourquoi il tire pas? Il doit pas avoir de munitions, le pauvre. Bon bah moi, qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul là par contre. Voilà, je suis tout seul. Heureusement qu'il y a la tourelle, même si là elle m'aide pas beaucoup. Ça serait marrant de l'upgrader la tourelle pour qu'elle tire des balles laser. Et lui, par où il est arrivé lui? Oh, il y a une fenêtre là, je savais pas. Ok. Ah, par contre, je crois que une fois que la tourelle aura arrêté de tirer, je vais partir en courant vite. Très vite. Parce que je vais pas tenir. Quoique. Elle est où la boîte magique déjà? Ah bah elle est là. Non, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parfois on fait des bêtises. Oh punaise. Non, je vais garder mes armes. Oh, quoique, il y avait le dollar donc c'était pas cher. C'est pas très grave. C'est bon, j'ai refermé, non? J'ai pas refermé. Wouhou! Wouhou! Nya! Mais! Ah, il voulait pas mourir lui! Oh oh! Oh, c'est pas marrant, on va utiliser ça! Ouais! Allez, venez! Hachis de la mort! Ah, c'est celui qui fait des roulades! Ah oui, il a encore fait une roulade. Oh non. Attendez, je crois que ça arrive derrière moi. Ouais. Derrière toi, Bobby. Je vais te tomber la vie. Ah. Bon, bah ça dure plutôt longtemps. Je pensais vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais en même temps, la carte, elle est vraiment grande. Ah. Nickel. Nickel, nickel, mon petit pistolet laser. Ça valait la peine d'attendre. Yeah! On va voir si ça valait la peine d'attendre comme tu l'as dit. Où êtes-vous, les zombies? Ah, il y a un truc. Ça clignote là, je sais pas si c'est normal. Ça doit être un effet de lumière ou un truc dans le style. Bah, je tue quand même en deux balles, je vois pas la différence. Je sais pas s'il y a une énorme différence. Et c'est bizarre parce que l'onde de choc, on a l'impression, enfin j'ai l'impression que par rapport au 5, elle fait pas la même chose. L'onde de choc, quand on tirait même à côté, ça tuait l'ennemi. Là j'ai l'impression que ça, faut vraiment lui tirer pile poil dessus. Là je vais aller sauver mon copain. Il est où? Il est où? Il est où? Mauvaise idée. C'est mon arme qui l'a envoyé voler. Oula. Est-ce que je vais réussir à le sauver, nom de Dieu? Wahou! Je vais venir te sauver, mon copain. Ok. Je me suis pris une crampe. Bon, en tout cas, j'aurais peut-être protégé. Ah, par contre, c'est lequel qui était tombé parce qu'il doit plus avoir aucun atout, là. Faut le protéger. Il faut protéger le copain. Oula! Ok. Ok. Attendez, je vais faire un petit truc en même temps. Oh non, excusez-moi. J'ai envoyé un petit message. Je crois que c'est encore les petits singes qui arrivent. Par contre, je sais pas comment on fait pour savoir quel atout ils nous ont enlevé et tout ça. Donc le mieux, c'est que j'essaye de courir et de les éviter. Ok, mais... Oh d'accord. Mais ça fait... Ok, attendez, parce que là, il y a des trucs qui tombent du ciel en plus. Mais qu'est-ce qu'il faut que je protège? Il faut sûrement que je protège les distributeurs, parce qu'ils... Ils ont détruit le distributeur ou un truc comme ça, et on a perdu tous nos atouts après. Faut que j'aille protéger celui-là. Ouais, regardez ça.
Va-t'en, toi. Petit bonhomme. Mon speed cola, t'as pas le droit de le toucher. C'est mon copain. C'est mon copain, le speed cola, t'entends? Bon. En tout cas, ils sont plus faciles à tuer que le pistolet laser. Ah, la boîte magique. Ok. Bon, on verra bien ce que je vais perdre au final. Coucou. Tu veux jouer à celui qui a la plus grosse arme, hein? Moi, j'ai ça et un pistolet laser. Et toi, qu'est-ce que t'as? Montre-moi ce que t'as. Il doit pas comprendre ce que je lui dis. En plus, il est en train de me parler au micro. Ah, je sais pas si c'est une personne de ma liste d'amis ou pas. Bon, en tout cas, fais un joli sourire pour la vidéo. Lui, il court comme un lapin. Il doit y avoir des ennemis ici. Oh punaise, ils sont en effet plein des petits singes. Brigitte Bardot, si tu m'entends, on est désolé. C'était pas voulu. Ah, j'ai perdu le speed machin. Mais tiens, mon dieu! Ils arrivent d'où? On va recharger bien. Rechargeons toutes nos armes. C'est bon? Let's go! J'espère qu'ils ont eu le temps de recharger également. La honte de la race des zombies. Ok. Bon, bah, je joue encore une petite dizaine de minutes et après, moi, je vais en arrêter là pour cette découverte du mode zombie, même si je serais pas allé très loin. Ça dure quand même longtemps hein, de faire une partie zombie. J'espère que si je suis l'autre, ça va pas être sympa de partir. Bon, j'espère qu'on va mourir alors. Il a plus de tête. Donc je pense qu'il nous embêtera plus. Oh oui. J'arrive même pas à tuer les zombies qui rentrent. Bon, si vous voulez voir les statistiques, ça doit pas être terrible, mais bon. Moi j'aime bien faire des shots. C'est marrant de faire des shots. Ah ok, let's go. Instant kill. C'est à ce moment-là qu'il faut courir dans tous les sens et se faire un maximum de sous. Mais c'est à ce moment-là aussi que l'instant de kill s'arrête. Et qu'il y a tous les zombies derrière vous et vous vous retrouvez comme un idiot. À plus pouvoir rien faire. Allez. Maintenant on retourne avec nos copains. Faut que je fasse attention parce qu'il est terminé l'instant de kill. Chocolat, chocolat. Oh, c'est quoi ça? C'est marrant la tapette à mouche. Ah non, c'est le dollar. On aurait dit une tapette à mouche. Bon, bah, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour la suite des nouvelles vidéos. Ah, ça, c'est sûr qu'il allait pas rester longtemps debout sans le mastodonte. Mais d'un côté, si on perd là, ça m'arrangerait pas mal. Comme ça, je quitterai pas la partie comme un méchant. Il est où mon collègue? Ah, il est là. Ah, ça marche pas. Tape mon 5, Bobby. Je veux juste essayer la machine, là. Ça. Je voulais juste essayer au moins une fois pour la vidéo. Oui. Et c'est là qu'on remarque la distance d'affichage de Call of Duty. J'aurais quand même fait mon petit tour en vaisseau. Par contre, je peux pas me déplacer. Est-ce que je peux tirer? Moi, je peux tirer. Et là, il y a 500 zombies qui m'attendent.
Ah d'accord, j'ai atterri ici. Je sais pas si on peut choisir l'endroit où on atterrit. La nuit est tombée sur ta vie. Ok. Ok. Très sympa. Attendez, je crois qu'en peut-être en une balle on peut tuer en fait. Ah ouais, en une balle, c'est moi qui savais pas. En fait, ça dépend de quelle partie vous vous touchez. Ah, ils ont changé d'endroit, ils sont repartis là-bas. Ouais, ils ont tous changé d'endroit. Ils ont tous changé d'endroit. Ils ont tous changé d'endroit. Non, je vais peut-être pas passer. Parce que si c'est comme la porte électrique et pour que je me retrouve à être mort, c'est pas la peine. Merci les copains. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'aimerais bien quand même continuer. Je crois que j'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix. Ah, ça lag en plus. Alors, je pense que j'ai encore 5 minutes. C'est ça de faire des vidéos pas prévues. Je voulais vraiment vous faire plaisir en vous faisant une petite vidéo. Yeah. Ah, j'ai pas récupéré mon speed machin. Ah, ça répare tout et ils ont dû ramasser le charpentier. C'est pas avec ça que je vais faire des headshots, hein. Oh, mais toi tu veux pas crever, hein. Je passe attention à pas me faire surprendre. Oh, elle est pas mal la map, j'aime bien. Je la trouve sympa, elle est grande et tout. Mais on la connaît assez rapidement, alors qu'il y a certaines maps, c'est vrai que malgré qu'elles soient un petit peu plus petites que celle-là, on s'y perd assez rapidement. Alors que celle-là, je sais pas, c'est... C'est assez simple, même s'il y a pas mal de subtilités que j'ai pas dû encore comprendre. Mais je compte sur vos commentaires pour éclairer ma grosse lanterne. On va faire un 360. Nya. Oh punaise. C'est ça de faire l'idiot. C'est ça de faire l'idiot. Créature sans âme. Netto. Souvenez-vous de ce nom. Ils arrivent par énorme vague là parce qu'il y avait personne depuis tout à l'heure. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un truc qui les a énervés. Mais je veux pas crever. Là ça commence à devenir intéressant, jamais bien. Il y a plein de zombies et qu'on est submergé. Quoique avec l'arme que j'ai, je risque pas grand chose pour l'instant. Quoi qu'elle me fait... Je l'ai coupé dans son seau. Ah. Oh non. 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 Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je donne un coup de couteau? Pas maintenant, vite. Allez, venez. Pour la gloire. Je vous attends, petit zombie. C'est dur de recharger et de refermer la fenêtre en même temps. Là c'était, ça devenait intéressant. C'était épique, par contre je vais aller secourir mon petit collègue. Est-ce que j'ai activé la mitraille? Ouais, c'est bon, ça va me protéger mes arrières. Et on va aller vite le secourir. Je crois qu'il est là. T'inquiète pas, me voilà. Tiens copain. C'était chaud. Mais c'est à ce moment là que c'est vrai qu'on s'amuse vraiment beaucoup. C'est quand il y a des grosses vagues qui arrivent. Ah mince, il est encore tombé. Ok, c'est fini. Comment je fais? Bah je vais en profiter. Attendez, je vais envoyer un message pour voir si je peux continuer.
Voilà. Par contre, je crois que je vais me faire attaquer par derrière. Alors regardez, ils ont profité de mon petit moment de faiblesse pour m'attaquer. Et là, je vais vite rallumer la mitrailleuse parce que j'ai quand même beaucoup d'argent, donc faut pas négliger ça. Parce que si vous mourrez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas utilisé tout ce qu'il fallait. C'est vrai que vous regrettez après. De ne pas avoir tout mis de votre côté pour réussir de battre les manches. J'arrive pas à parler. J'ai dit n'importe quoi. J'ai la bombe nucléaire. Allez, soyons fous. On va essayer d'avoir l'autre arme là qu'il avait, l'autre Bobby. Non. Quoi, je pourrais presque la prendre et améliorer celle-là. Oh punaise. Je crois que j'ai fait peut-être une bêtise en faisant ça. Mais... Allez, donne-moi vite l'arme. C'est bon. Let's go. Ok, c'est bon, je vais pouvoir continuer un petit peu plus. Par contre, il y a un moment où je devrais poser la manette une ou deux minutes. Donc j'espère que je mourrai pas. En espérant que ça soit pendant... Oh, il y a des dessins sympas sur l'arme, regardez. On dirait des circuits imprimés. J'espère que ça sera un moment où il n'y aura pas trop de zombies. Parce que ça m'embêterait de perdre tous mes atouts. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'assurer ma sécurité? L'espace que je sois indisponible. Ah, je vais prendre le transporteur là, le sort de vaisseau spatial. Comme ça me laissera le temps de rester en vie pendant qu'il sera en l'air. Si c'est pas une bonne idée, comme ça on peut continuer encore un peu ensemble. Parce que là, ça devient intéressant. Oh punaise! En fait, je crois que je préfère le pistolet laser. Mais nous, on va quand même aller là-bas. Oh non, non, non! J'allais pas m'avoir, mon Dieu! Toujours rester en mouvement parce que sinon vous vous faites bloquer en 2 secondes. C'est ça qu'il faudra que je prenne. Faut que je le garde à côté de moi pour me téléporter tout à l'heure quand je serai. Quand le moment sera venu plutôt. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour continuer une vidéo? Ah, mais il a le pistolet laser, il tire pas le fourbe. Et il a parlé comme Rambo. Oh oh, j'ai plus de munitions. Et ça c'est quoi, nom de Dieu? Oh mince, j'ai acheté un truc. C'est quoi? Acheter PH. J'ai acheté un truc, je sais pas ce que c'est. Oh, tout le monde est mort. J'ai acheté un truc, je sais pas ce que c'est. PH machin. Qu'est-ce que c'est, PH machin? C'est bon, ouais. Est-ce que je vais réussir à... Oh non, je vais pas y arriver. Grenade, obligé. Oh punaise, j'espère que c'est pas ma grenade. Oh là là, ils sont tous à terre, faut que j'aille les sauver. Sans le pistolet laser, c'est pas évident. Ah oui, mais j'avais oublié que l'autre il a son gros fusil. Couvrir un peu leur arrière. C'est bon, il me soigne. Vite. Oh punaise, c'est qui est mort? Qui est-ce qui est mort plutôt? Parce que c'est qui est mort, ça se dit pas trop. Ah, il est là-bas. Je vais en profiter pour je sais pas quoi. Je voulais acheter un truc, mais je sais plus ce que c'est. Oh punaise. Oh, mon de Dieu. Mes dernières balles de pistolet laser. Allez, utilisez avec modération. Oh, il était temps. Commencez à décuver. Punaise, vite. Ah, c'est bon. Ouh. Par contre, l'autre, je sais pas comment on va aller le secourir. Ouais, j'avais bien fait de garder quand même quelques petites balles, c'était au cas où. J'ai bien fait d'avoir fait ça, par contre maintenant je pourrais plus trop me protéger moi-même.
Mais j'ai bien fait quand même. Je faisais la sieste, c'est tout. Il est vexé. Je faisais la sieste, c'est tout. Je crois qu'il le laisse en vie exprès. D'un côté, tant mieux. Comme ça, ça me laisse le temps. Celui-là, je vais juste le tuer. Voilà, comme ça, il en restera qu'un seul. Et voilà, pour l'instant, moi, je vais faire ça et j'arrive tout de suite. Donc, je vous laisse avec ce joli petit voyage. A tout de suite. C'est bon, meurs, voilà. J'espère que le petit voyage vous aura plu. Bon, je vais acheter... Oui, j'ai assez d'argent, on va acheter ça. Ça me permettra de ranimer mes copains plus vite. Et là, du coup, avec le petit moment où j'étais pas là, ça va me permettre de... Me rappelle mon pays. De continuer la vidéo un petit peu plus longtemps. Je crois qu'il me manque quoi? Il me manque double tir, double balle. Double tir, double balle. Ça sert un petit peu à rien que je répare ici, mais bon, je sais pas pourquoi je le fais. Bon, les soyons fous, hein. Ah, par contre, j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions, mon gars. Pour les deux armes. Je crois qu'en fait, on va bientôt s'arrêter là et je vais bientôt crever. Je vais prendre le truc pour courir vite. Ça me semble de la solution. Il était où? Le truc pour courir vite, vite. Le truc pour courir vite, non, t'as dû. Il y avait un truc pour courir vite ici. J'ai dû passer devant. Il doit être un petit peu plus loin, mais là je m'en sortirai pas. Il y a trop de. En cours de ravitaillement. Oh l'enfoiré. L'enfoiré. Comment... Ça prend combien de temps à se ravitailler ce truc? Allez vite! Go go go! Oh nom de Dieu! Oh là 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 là, j'ai eu chaud aux fesses! Mais je voulais prendre le truc pour courir, mais j'ai pas pu! Bon voilà, on se retrouve! Je suis en mauvaise posture. Ça m'apprendra. Je vais rejoindre mes copains! Je suis vraiment désolé pour la coupure. Et là, j'ai pas eu d'autre choix si je voulais continuer la vidéo. J'ai quand même réussi à me déplacer et éviter les zombies. Je crois que mes collègues... Oula! Ah oui, c'est la porte temporelle, ça les aspire. Ok. Ah, tel que... Comme dans Ghostbusters, en fait, c'est vraiment ça. J'ai vraiment du Ghostbusters. Et ça, j'ai pas lu ce que c'était alors. Ah, je peux pas lire. En tout cas, ça a l'air utile, mais à quoi? Et j'ai récupéré aussi un munition max, voilà, je voulais le préciser. Achille. Là, je l'aurais eu pas mal de fois tout de même. C'est marrant. Là, je tire, mais y'a rien à... sur quoi tirer. Vague 20! Oui! Pour la première fois que je joue, je suis plutôt content quand même parce que ça prend quand même du temps. Ça doit faire déjà une heure qu'on est dessus. Oh non, pas les petits singes! Bon, on va suivre mes collègues pour comprendre ce qui se passe là, parce que moi je suis vraiment perdu. Il y en a un qui reste en haut. Il y en a qui vont... Ok. Je crois qu'ici il y a le la vie en plus, donc on va les surveiller. Mais ils passent par où en fait les petits singes? Les petits singes, ils passent par où? Ah, ils sont là. Donc les petits singes, j'ai pas besoin de leur tirer exactement dessus, je peux tirer juste à côté, ça les tue. Les singes volent mon cola énergisant. Oh, je vais perdre. Ah oui, d'accord, il y a les items en bas qui clignotent lorsqu'ils sont attaqués. Ok, bah j'ai tout perdu. Ok, ça servait à rien ce que j'ai fait. Mais au moins on va essayer de garder le principal, c'est-à-dire le mastodonte. C'est le plus important. J'ai l'impression que mes balles elles les touchent pas. De Dieu, ça c'est pour celui qui arrive après, petit singe. Et à la fin on a un munition max.
Ah, il leur faut 2 balles, hein, à ces fumiers. Ah, ces fumiers de petit singe. D'accord. Il y a l'autre qui se fait attaquer, le rechargement rapide. Vite, 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 le rechargement rapide. Ah, oh, punaise, je l'ai paumé. La caisse magique, elle est ici. Le rechargement rapide. Ah oui, il n'y avait personne pour protéger celui-là. Ok. Ah, c'est bon. Je vais pouvoir recharger mes armes. Je vais les laisser le temps de recharger leurs armes parce que je pense qu'ils doivent savoir qu'il y a le munition max. Voilà. Et je vais récupérer juste le rechargement rapide. Voilà. Et moi, je vais retourner en bas. Le Coca-Cola énergisant. Moi, j'aimais bien cet endroit ici. Je vais réactiver ça. Je vais attendre un peu. Profiter de mes balles pistolet laser. Ah, c'est peut-être mieux que je leur tire dans les jambes. Je sais pas. Non, je vais l'activer maintenant parce que... Oh, punaise. Vite, 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 vite. Oh, punaise. De Dieu. Ah, là j'aime bien, là c'est marrant. Une fois qu'il n'y aura plus de balles dedans, je vais attirer tous les zombies ici à portée de la sulfateuse. Il est trop fort lui avec ses roulades. Une fois que la sulfateuse sera éteinte, je serai dans la mouise. Ouais, je crois que je vais leur tirer que dans les jambes pour les ralentir. Je vais pas me faire avoir comme ça. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Allez, venez. Go. Comme la naissance de l'univers. Big Bang. Big Bang. J'ai des tirs, des fois ils explosent pas tout de même. On va voir si les shots ça marche. Oh! Comment il a esquivé! C'était trop fort! Allez, crève, il y a eu la bombe nucléaire! Eh, ils sortent du sol et tout! Mais il y a eu la bombe nucléaire, j'ai pas rêvé! On va utiliser un peu ça, j'ai jamais utilisé. Mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée! Ah si, ça a bien marché en fait! Ah oui, l'appel. Non, je vais crever à faire l'idiot. Oh non, faut pas se faire surprendre. Ah, il y a un truc par terre. On s'en fout du truc x2. Oh punaise. Oh, oh. Ça, là, j'ai fait une loupe. Je vais être surpris. Je vais être surpris. Voilà, je suis mort. C'est de ma faute. Mais je pense pas qu'ils auront le temps de venir me soigner. Parce que je suis trop éloigné d'eux. Bon, j'espère que ça vous aura plu, même si c'était fait un petit peu à la va-vite, je m'en excuse. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous prévenir que pendant quelques temps, il n'y aura pas de nouvelles vidéos neuves. J'avais vraiment envie de la découvrir aussi pour pouvoir y jouer de mon côté. Bon, vague 22, je vous l'accorde, c'est pas terrible. Oh, peut-être que c'est pas fini. Ah, c'est bien. Merci, tu m'as sauvé la vie. Je te dois une fière chandelle. Par contre, là, faut vraiment que je fasse attention. Le moindre petit coup qui me touche, bah, je suis à terre. Donc, oh, d'accord, je peux pas aller là-bas. Ils ont activé le truc pour le mastodonte. Je peux déjà acheter le rechargement rapide. Vite, vite, vite. Le rechargement rapide et après, direction vite le mastodonte. Hop, speed cola. Et le mastodonte, le mastodonte, le mastodonte. Le mastodonte. Attendez, je crois que je vais... Non, c'est par là, c'est vraiment par là. Vite, 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 j'ai pas le choix parce que là, si je me fais à peine toucher, je meurs. C'est ici normalement. Allez, allez, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Oh, j'ai eu assez d'argent. Allez, maintenant, le tout c'est de pas mourir maintenant. J'ai dit de pas mourir maintenant. Ok. Bon, bah, voilà. Là, c'est impossible qu'ils aient le temps de venir. Parce qu'avec tous les zombies qui vont arriver,
On va leur en enlever quelques-uns et ils m'ont fait tomber tout de suite alors que j'avais le mastodonte quoi. Ils ont vraiment pas rigolé. Coucou copain. Il y en avait un qui arrivait par là, non? On va les tuer comme ça, ça leur fera moins de zombies pour eux. Ah si, ils viennent quand même. Oh, ils sont vraiment sympas. Vite le mastodonte. Ouais, voilà, c'est ça d'avoir encore un petit peu d'argent de côté au cas où. Oh mince, j'espère que ça va pas le tuer les grenades. Nickel. Bon, maintenant il me faut mon rechargement rapide. Mais pour l'instant, en restant là, si on s'occupe chacun de des entrées, on peut peut-être s'en sortir. Logique. Parce que lorsque, pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque vous mourrez, vous perdez vos atouts. Vos atouts, par exemple le rechargement rapide et tous ces trucs dans ce style-là. Non, je vais aller secourir l'autre, mais d'abord je vais récupérer le speed cola. Parce que sinon, j'aurai un petit peu de mal. Alors, il est où notre ami? J'ai bien envie de changer d'arme parce que l'autre elle est vraiment pas terrible. Oh, j'ai plus de munitions. Il est où? Il est en dessous de moi. Il est en dessous de moi, le pauvre. Oh punaise, ça va être chaud. Oh nickel. J'arrive petit. Ah c'est bon, il est sauvé. Maintenant, le tout c'est de se faire un max de blé. Yeah, ah, ils sont vraiment plus coriaces et ils font largement plus de bobos lorsqu'ils nous tapent. Il me faut vraiment un munition max par contre là. On va voir si dans la machine je peux mettre mes armes et que ça me redonne des munitions. On va aller voir ça. Je vais pas utiliser la boîte magique, ça serait dépenser mon argent pour rien. Oh là 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 là. Parce que là, le plus important, ça serait des munitions, mouillées. Alors, c'est combien? Ah d'accord, je peux que améliorer, je peux pas... On peut l'améliorer encore une autre fois? Non, je pense pas. Je ne pense pas, nom de Dieu. C'était vraiment impressionnant tout à l'heure, les trucs qui tombaient du ciel, je m'y attendais vraiment pas. Ouais, c'était tombé juste là. Je suppose que ça peut nous tuer. Ils ont activé comment? Ça coûte combien là pour activer ça? Tout à l'heure au cas où. 1000, ok. C'est bon à savoir. Bon, on va retourner avec eux. Ah, y a mon copain qui est à terre. Oh punaise! Oh non! Oh non! Pourquoi j'ai pas pris... Ah, oh, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant qui arrivent sans moi, d'accord. Bon bah voilà. Je l'aurais sorti sinon, mais je pensais vraiment pas qu'il allait en avoir autant. Oh punaise, mais c'est vraiment des vagues. Alors, on va le sauver parce qu'il va crever sinon, mon collègue. Voilà, c'est moi qui fais le gros boulet à chaque fois. Ouais, j'ai peu de munitions. Ah, il a pas pu. Allez, dès qu'il me soigne, je pars en courant direct. Ah, vite, c'est bon. Faut les aider, mais avec mon arme, je risque pas de les aider énormément. Des grenades, vite, des grenades. Ah, j'ai plus aucun atout. Bon, faut que je prenne vite le mastodonte. Et je revienne avec mes collègues et pas faire le solitaire. Ok, j'ai vraiment plus du tout de munitions. Ah bah, j'aurais bien fait le boulet dans la vidéo. Bon, on va rester avec nos copains maintenant. Bon, elle est sympa la map. Je regrette pas d'avoir acheté First Strike juste pour la carte.
que je sens que je vais quand même m'amuser pendant des heures et des heures dessus. Comment on descend? Qu'est-ce que je fais? Je tente très bien d'avoir une autre arme mieux. C'est un peu bête ce que je vais faire, mais bon, on s'en fout. J'ai pour la fin de vidéo. Bon bah c'est pas moi. Ça devait être un signe. On va suivre les signes. Ouais, ça ressemble vraiment à Lunch. Je crois que c'est Lunch, hein. Ça se trouve je dis des bêtises. Ça c'est combien? C'est 1500. Ah, il y en a... Oh, ok, on est plus que deux. Ok. Je sais pas comment on va se débrouiller, mais bon, j'avais pas vu qu'il y en avait d'autres qui avaient quitté. J'avais pas vu ça par contre. Je n'avais point vu qu'il y en avait qui avaient quitté. Bon bah ça va être notre dernière vague. Et après nous on va se quitter là-dessus parce que je pense que ça va pas être cher de notre peau. Tiens, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir par exemple si on commence à 4. Par exemple quand on est 4 il y a plus de zombies que lorsqu'on est tout seul, ce qui me paraît très logique. Et par exemple si on commence à 4 et qu'on se retrouve, tout le monde quitte, on se retrouve tout seul. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le même nombre de zombies pour les 4 personnes ou le nombre de zombies revient pour une seule personne? Enfin, je sais pas si ça se passe comme ça se trouve je me fais des idées. Et là on va courir parce que je peux même pas activer la mitraillette, ok j'ai pas. Bon, là c'est fini pour moi. C'est fini pour moi et mon ami. Le seul moyen que j'ai c'est de courir. Oh punaise. Oh, je voulais prendre la passerelle pour faire un petit dernier coup de transport mais je crois que ça sera pas la peine. Ah je peux peut-être activer celle-là. Oh non il manque un peu de sous, vite un peu de sous. Un peu de sous, vite vite vite. Ah oh, je l'ai activé, oui je l'ai activé. Oh ça va, me protéger un peu mes arrières. Il est trop fort mon bonhomme. Allez venez. Avec la petite lampe torche au sol pour faire un effet de style. Oh punaise, non c'est... Oh punaise, pas par derrière. Oh je voulais activer le... Oh là là, c'est quoi? Ah c'est là le speed machin, non? Oh je peux pas l'acheter. Oh c'est quoi? C'est un rond. C'est un rond. Non, il y a un passage par là. Wouah. Là c'est intéressant. Là c'est marrant. Oh par contre j'ai plus de munitions, là c'est plus marrant. Oh non, 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 je peux pas l'activer. Non, 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 je peux pas l'activer, il est plus là le truc. Là c'est marrant, là c'est marrant. Yeah. J'aime bien faire du rugby. Oh par contre si je passe dans l'eau j'ai aucune chance, faut que je contourne. J'achète le truc pour courir peut-être. Oh ça a été peut-être ma fin. Allez, cours, 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 cours. Peut-être ça je peux le mettre, je peux le mettre, je peux le mettre, oui je peux le mettre. Oh punaise, il crève pas. Si, il crève, oh punaise. J'ai chaud, j'ai plus de munitions. Et mon copain est mort. Il est où, il est où, que j'aille le sauver, vite. Vite. J'arrive, j'arrive, petit copain. Je vais te sauver. Oh. C'est vrai que ça devient marrant, n'empêche. Et il est à quel étage? Il est à l'étage au-dessus. Faut que je me grouille. Oh non. Comment je fais pour aller où il est? Il doit être ici. Oh! Allez, utilise tes super chaussures pour courir vite. Vite, 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 vite. Non, je pourrais pas, je pourrais pas, je pourrais pas. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Oh, je suis pas mort. Ah, qui? Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était pas exceptionnel. C'était pour découvrir ensemble, en tout cas moi ça m'aura fait rire quand même. Bon je vais baisser le son. Bon bah je vous laisse et d'ici une dizaine de jours vous retrouverez de nouvelles vidéos. Donc comme je l'ai dit ça commencera à partir de la vidéo défi numéro 3. Et je marquerai de toute manière sur le profil je pense lorsque la vidéo arrivera. Et j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment ma compagnie, même si c'était pas exceptionnel vu que je pouvais pas parler très fort et je pouvais pas, j'ai pas mis la caméra et que je jouais avec des gens sur le multijoueur que je ne connaissais point. Voilà, à plus tard tout le monde, salut, à plus.